Aujourd'hui, je vais vous parler d'une information que j'ai eue. J'ai cherché à comprendre, j'ai cherché à savoir, j'ai demandé à mon âme et à mes guides de m'ouvrir les yeux et de me faire voir des choses que je ne voulais pas voir encore et que je n'étais peut-être pas prête à voir avant et dont j'ai beaucoup entendu parler au final, mais... ça voulait pas rentrer, j'étais pas prête, tout simplement, j'étais pas prête. Et là, dernièrement, suite à une introspective et à une recherche de moi, de mon être, de qui j'étais vraiment, comment était mon âme, quelle était mon âme, quel était son rôle, quel était son nom, qui m'aidait au quotidien. Après avoir cherché beaucoup de choses comme ça, maintenant, je suis prête à voir des choses, à voir encore plus. Déjà avant, je voyais, j'essayais le mieux possible de prendre de la hauteur. Et là, à chaque fois, je demande de l'aide. Je demande, aide-moi à voir. Et alors, on me dit, je ne sais pas ce qu'on va me montrer, je ne sais pas ce qu'on va me dire à l'avance, je ne sais pas ce que l'information que je vais recevoir. Toujours est-il que je vais recevoir l'information. C'est à moi d'être claire avec moi-même et c'est à moi d'être ouverte à l'information qui va se présenter. Alors il faut vous dire que la personne qui m'a, donc le guide par conséquent, puisque hier quand j'ai fait les cartes, hein, il y avait une histoire de guide qui est assez revêche, mais qui vous dit quand même ce qu'il en est. Donc j'ai entendu une vidéo où il y avait « Attention, votre carte d'identité est pucée. » Alors, j'ai posé la question autour de moi. « Est-ce que vous êtes au courant que la carte d'identité est pucée ?» Personne ne savait que la carte d'identité était pucée. Non. « Et est-ce que vous savez, vous, que votre carte d'identité est pucée ?» Vous le savez ? Eh bien, sûrement certains le savent. Ben, moi, je le savais sans le savoir. J'en étais pas consciente. Et en regardant cette vidéo, bah, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'étais voir ma carte d'identité, forcément. Et là, j'ai vu qu'effectivement, elle était pucée. Alors, je vais essayer de vous montrer sans vous montrer. Voilà. Regardez. Alors, on va voir par là. Je ne sais pas si vous voyez bien. La puce, elle est là. Regardez. Regardez. Elle est là. Vous la voyez? De toute façon, je vous invite à regarder avec vous. Je vous invite à regarder votre propre carte d'identité. Hein. Si vous ne me croyez pas, je vous invite à la regarder. Et de toute façon, quand on regarde comme ça, quand on regarde comme ça, elle est là et elle est un tout petit peu. Vous verrez qu'elle dépasse un tout petit peu. Ça fait un... ça prend la place, une puce, quoi. Voilà. Hein. Ça a beau avoir été confiné. Je vous la mettrai en photo, cette histoire de puce. Donc, elle est là. Voilà. Elle est là. Bon, j'essaie de vous la montrer. Vous voyez, il y a un petit point un petit peu plus clair. Voilà, bien rond, elle est là. Ouh! Alors, dans la vidéo, on nous montrait comment l'enlever. Bien. Quelqu'un de ma famille m'a dit, mais c'est beaucoup plus simple que ça. Aucune carte ne résiste à un aimant. Ça ne résiste pas à un aimant. D'où le fait qu'on vous dit que vos cartes d'identité, vos cartes bancaires, il ne faut absolument pas qu'elles soient en contact avec un aimant parce que ça les désactive instantanément. Ben oui. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris un aimant. Enfin, j'en ai même pris deux d'ailleurs. J'en ai même pris deux. Alors, je vous montre la carte. J'en ai pris un que j'ai mis de ce côté. Et j'en ai pris un que j'ai mis de l'autre côté. Voilà.
Vous me croyez? Vous ne me croyez pas. À l'instant précis où j'ai mis ces aimants, j'ai eu un soulagement au niveau de la gorge, au niveau du chakra de la gorge. Ça a été très subtil, ça a été très léger, mais le soulagement s'est fait. C'est un peu comme si on m'enlevait, vous savez, quand vous êtes oppressé, ben, au niveau de la gorge, ben, c'est parti. C'est parti. Alors, faites l'expérience. Et en plus, depuis que j'ai donc fait ça, on m'a demandé aussi de faire un protocole avec cet acte. Donc, désactiver votre puce, histoire de ne pas esquinter la carte, hein, qu'on vous en fasse pas une autre avec une nouvelle puce, ça serait complètement idiot. Donc, désactivez votre puce et je vais vous faire le protocole pour aider à ce que ça ne recommence pas. Bien entendu, le protocole, je l'ai écrit parce que on m'envoyait les informations tellement rapidement que j'ai été obligée de l'inscrire, de l'écrire. Voilà, donc on m'a dit, voilà ce qu'on m'a dit. On m'a dit, tu tiens ta carte avec la main gauche, la main du cœur, la main des énergies. 10 respirations. Les jambes décroisées, décontractées. 10 respirations profondes. Inspirez la vie. Expirez le négatif. Au bout de vous 10, je vous les fais pas là parce que je les ai déjà faites avant. Au bout de vous 10 respirations profondes, que vous avez la tête bien libre de toute idée, de toute pensée. Voici le protocole. J'ordonne ici et maintenant que toutes les puces, quelles qu'elles soient et où qu'elles soient, mises en moi ou sur des objets qui m'appartiennent sans mon consentement tacite, soient désactivées et deviennent obsolètes. J'ordonne aujourd'hui et maintenant que tout ce qui m'est infligé à mon insu et sans mon consentement soit anéanti, désactivé et devienne obsolète. J'ordonne aujourd'hui et maintenant que tout ce qui va à l'encontre de mon évolution terrestre dans l'univers et toute autre dimension soit instantanément désactivé. J'ordonne aujourd'hui et maintenant que tout ce qui me lie à ce système, des liens visibles ou invisibles, toute mauvaise intention à mon égard et qui sont néfastes et qui m'ont été imposées, soient coupées et inactives sur mon être vivant souverain aujourd'hui, maintenant et à tout jamais. Je demande et j'ordonne que cette demande soit maintenant inscrite dans les annales akashiques, qu'elle prenne effet ici et maintenant. Merci, merci, merci. Grande respiration. Merci. Voilà, voilà ce qu'on m'a demandé de vous dire. Voilà ce qu'on m'a conseillé. Ben, faites-vous comme vous voulez, hein. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce que je viens de vous dire, hein, parce que c'est un sentiment personnel. Néanmoins, je pense être là aussi pour apporter ma pierre à l'édifice. Et je pense que ce qui est bon pour moi peut être aussi bon pour vous. Donc, à vous de voir. Et si vous êtes en accord avec ce que je viens de vous dire, n'oubliez pas, un aimant, c'est simple. Ça désactive tout, toutes les puces. Il n'y a rien qui résiste à un aimant. 2, c'est mieux. Bah oui.
Eh ben, c'est sur ce. Ben, cette petite vidéo n'était pas du tout prévue. Je l'ai faite parce qu'elle m'a été inspirée depuis hier soir et que j'avais absolument le sentiment d'être obligée de la partager avec vous, histoire de vous apporter quelque chose à ceux qui ont. À tous les êtres de lumière qui sont là, travailleurs de lumière qui sont là pour aider à faire évoluer le monde. Je pense qu'il faut absolument faire quelque chose et nous devons commencer par faire le travail nous-mêmes et aller de l'avant de par nous-mêmes. Voilà. Regardez bien, faites bien attention. Regardez, si vous ne croyez pas, regardez bien votre carte d'identité. Je vous assure qu'il y a une puce dans votre carte d'identité. Alors on m'a dit oui, mais c'est pour avoir plus d'informations. Ouais, mais n'oublions pas que déjà sur la carte d'identité, tout en haut, vous avez déjà un chiffre. Tout en haut de la carte d'identité, vous avez un chiffre qui correspond à toutes les données de votre carte d'identité, donc à toute votre personne, qu'il y a votre nom, votre date de naissance, le poids que vous faites, que la comment. Le poids que vous faites, combien vous mesurez, si vous êtes blond, brun ou châtain. Vous avez aussi les empreintes, hein, parce que pour faire la carte d'identité, il faut les empreintes. Donc vous avez les empreintes. Donc, et la carte, la puce sur la carte d'identité est complètement inutile, à moins qu'elle serve à autre chose. Quoi qu'il en soit, et je l'ai déjà dit parmi les anciennes vidéos, je ne veux aucune puce sur moi, aucune, ni vaccin, ni puce, ni quoi que ce soit. Je ne veux rien du tout, hein? Plutôt finir en prison que finir avec une puce. Donc, dès que j'en trouverai des puces, où que ce soit et quelle qu'elle soit, bon, pour l'instant, j'ai encore besoin de ma carte bancaire, hein, c'est. Oui, puisque c'est du virtuel et qu'on a de moins en moins de monnaie, donc ma carte bancaire, bah, j'en ai encore besoin, jusqu'à ce que, bah, il n'y ait plus rien qui se fasse, n'est-ce pas? Bon, bah, je ne vais pas la désactiver tout de suite, hein, ma carte bancaire, hein, puisqu'elle m'est encore un petit peu utile. Mais tout ce qui ne m'est plus utile sera désactivé. Voilà. Donc. Il est hors de question que j'ai une puce, que je balade une puce, quelle que soit avec moi. La seule puce que pour l'instant je suis obligée de garder, c'est bah, le téléphone pour vous faire les vidéos, forcément, sinon ça va poser un problème. Et puis aussi pour avoir le contact avec la famille, vu que je vous rappelle qu'on est quand même en confinement et que le téléphone reste encore la meilleure façon, ou les lettres, hein, si vous avez 5 minutes pour écrire une lettre, ce serait bien aussi. Je trouve que ça serait, c'est vachement agréable quand même de recevoir du courrier. Bon, bah, ça pose un problème parce que forcément, le courrier, même s'il est distribué, il serait au ralenti. Pour info, j'ai redemandé une carte à la fraude à ma carte. J'ai redemandé une carte et j'attends toujours. Alors, la carte, soi-disant, est arrivée à la banque, mais le code, il n'est toujours pas là. Donc, alors, est-ce que c'est un retard de la poste ou est-ce qu'on m'a encore fait un mauvais coup? Je sais pas, on verra, hein, le courant de la semaine prochaine, si j'ai toujours rien. Bah, comme le téléphone fonctionne, hein, voilà, on va prendre des nouvelles. Hein, voilà. Tout ça pour vous dire que vous êtes pucé de partout. Ne vous laissez pas faire. Tout ça joue sur vous, sur votre intention. Je vous rappelle quand même que la puce est au niveau du chakra de la gorge. Hein, pour ceux qui sont un peu au courant des chakras. Il est au niveau du chakra de la gorge. Et que moi, dès que j'ai fait ça, j'ai instantanément été libérée au niveau du chakra de la gorge. Donc, bah écoutez, vous y croyez pas, vous faites exactement ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. En attendant, bah, l'information, bah, je vous l'ai fait passer, vous faites exactement comme vous voulez. Et d'ici une nouvelle vidéo, bah écoutez, prenez soin de vous, hein, profitez le plus de la vie, surtout en ce moment.
profitez le plus de la vie, prenez soin de vous, faites-vous plaisir. Hein. Moi, mon plaisir, c'est de vous faire partager de bonnes nouvelles et surtout comment faire pour ne plus suivre ce système. À vous de voir ce que vous voulez. Faites appel à votre libre arbitre, faites appel à votre cœur, pas à votre peur, bien là, bien, bien loin de loin, cette idée. Pardon. Mais j'aime un mouchoir, écoute, bah oui, pareil, avec le rhume des foins, bien obligé. Hein? Donc faites appel à votre cœur, faites appel à vos guides, faites appel à votre âme, demandez-lui conseil, demandez-lui de l'aide. Elle vous la fournira à coup sûr. À vous de l'écouter et de la suivre, ou pas. Ben, quoi vous dire d'autre? Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et d'ici une prochaine vidéo, portez-vous bien. Bye.